Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart City, deuxième forum organisé par la Tribune dans les locaux de Bordeaux Métropole. Nous recevons Grégoire Metz qui est directeur régional de Suez à Bordeaux. Bonjour Grégoire, est-ce que vous pouvez nous faire la photo de Suez à Bordeaux ? Alors Suez à Bordeaux gère en fait les réseaux d'eau et d'assainissement de la ville de Bordeaux et de la métropole bordelaise. Nous opérons ces contrats avec environ 950 salariés, mais qui travaillent aussi sur les départements autour de Bordeaux. D'accord. C'est quand même bon. Alors, on sait qu'à Bordeaux, vous avez développé Ramsès, qui est un système, on va dire, intelligent, parce que c'est quand même un emblème, une créature, entre guillemets, emblématique en la matière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qu'est-ce qu'il fait Ramsès est un outil qui est déployé depuis des années et des années pour protéger la métropole bordelaise contre les inondations et pour gérer les réseaux d'assainissement. Donc avec cet outil qui se gère comme un centre de pilotage d'aéroport, nous gérons à distance les réseaux d'assainissement pour stocker l'eau pendant les fortes pluies, par exemple, ou les orages, et après le réinjecter dans le réseau naturellement et dans les milieux naturels naturellement. Oui, comme vous le dites, c'était une première, je crois, en France, la création d'un système, entre guillemets, intelligent, quoi, aussi puissant que celui-là. Alors, c'est une des premières en France, d'accord, en effet, et le système Ramsès est reconnu de manière internationale. Est-ce qu'il continue à évoluer encore ? Il continue à évoluer en permanence, puisque nous avons déployé il y a quelques années une gestion dynamique de l'outil, donc avec assistance par l'informatique. D'accord. Et petit à petit, nous réfléchissons pour augmenter cette gestion dynamique, pour la rendre encore plus importante, puisque ça permet en fait d'utiliser les canalisations qui ne sont pas pleines en permanence, oui, pour stocker de l'eau et éviter, oui, que ça se donc déverse dans la chaussée, sur la chaussée, dans la rue. Bon, d'accord, on voit que c'est très très fin, c'est très très pointu. On en parlait il y a quelques minutes. Alors, il y a évidemment l'eau, mais votre puissance en recherche d'éléments fait que vous avez franchi aussi d'autres caps sur d'autres domaines. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, par rapport aux villes intelligentes, ce que vous êtes en mesure aujourd'hui un petit peu de proposer ou de... Alors, nous avons déployé un système de pilotage qui s'appelle Visio, qui permet de gérer en fait en temps réel les opérations sur le terrain et s'assurer de l'échange d'informations entre le terrain et le centre de pilotage pour s'assurer que tout se passe bien. Donc c'est un système qui est intéressant et qui permet notamment, lorsqu'il y a une personne qui constate que son eau devient rouge, qui peut arriver ponctuellement, qui nous appelle, et que nous puissions envoyer en temps réel un SMS à toutes les personnes concernées pour leur dire « Nous savons qu'il y a une difficulté sur votre périmètre, nous sommes en train de le régler, donc ne vous inquiétez pas. » D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des informations, c'est des systèmes vraiment de villes intelligentes qui sont en place, qui existent, et qui permettent d'échanger en direct avec les habitants pour les informer d'un certain nombre de choses. Nous avons aussi déployé, pour le compte de la collectivité, un outil qui permet d'échanger de l'information en temps réel sur tout ce qui se passe en termes de travaux et autres. D'accord. Et puis nous avons aussi un système qui permet, avec les mairies par exemple, localement, de traiter toutes les problématiques qui nous remontent de manière structurée et intelligente. C'est-à-dire, concrètement, avant, vous aviez une difficulté dans une ville, la ville prenait son téléphone, appelait quelqu'un qui était peut-être en train de travailler sur autre chose en disant « j'ai un problème, j'ai une fuite ». Maintenant, cette information passe directement par un système informatique, donc elle est enregistrée, d'accord, elle est directement envoyée à la bonne personne qui peut agir très rapidement. Ah ouais, ok. Donc c'est une organisation du travail grâce à toutes ces technologies intelligentes qui nous permettent d'être plus efficaces, plus réactives et de mieux communiquer avec nos clients. Oui, alors là on est dans la lutte contre les fuites, donc c'est toujours un gros problème quand on gère l'eau. Vous avez progressé grâce à Visio, enfin, qui est très récent en même temps, vous venez juste de mettre en place. Sur la lutte contre les fuites, il y a aussi un système qui est en place depuis un certain nombre d'années dans un certain nombre de collectivités, qui est le système de télérelève, d'accord, qui permet en fait de remonter de l'information assez régulièrement pour savoir si notamment il n'y a pas de fuite. D'accord. S'il y a des évolutions trop rapides de la consommation, il peut y avoir une fuite. Et dans ce cas-là, nous avertissons quand c'est en place le consommateur par un SMS en lui disant « Votre consommation d'eau est très importante, merci de vérifier s'il n'y a pas un problème. » Et ça permet d'éviter les fuites. D'accord. C'est les opérateurs qui voient ça en temps réel ou, enfin, Alors, il y a un système automatique. C'est de la relève de base. C'est de l'intelligence, hein, c'est l'intelligence artificielle. Hein, donc, c'est un système automatique, d'accord, qui envoie des SMS qui contacte les gens. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est des vrais systèmes de smart qui sont déployés et qui, dans l'avenir, pourraient aller encore plus loin. Ça peut être des systèmes qui peuvent être utilisés, par exemple, pour accompagner des personnes âgées
pour s'assurer qu'elles continuent à être toujours en forme. Tant qu'elles consomment de l'eau, ça veut dire qu'elles sont en pleine forme. Ah oui, d'accord. Donc, c'est des systèmes qui pourraient être utilisés dans l'avenir pour aller beaucoup plus loin et pour accompagner un certain nombre de situations. Alors, RDF est en train de déployer ses compteurs Linky, qui sont des compteurs dits intelligents. Vous aussi, apparemment, vous développez donc des compteurs connectés, un peu comme Linky. Oui, alors c'est pas la même technologie. Nous, on est par une technologie beaucoup plus traditionnelle d'ondes radio qui sont émises une ou deux fois par jour. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes technologies, mais qui permet d'échanger, en effet, des informations intéressantes. C'est-à-dire que vous créez quand même un réseau. Enfin, il y a cette logique de réseau qui est à l'œuvre. Logique de réseau qui est en œuvre, tout à fait. Les axes sur lesquels vous travaillez ou vous réfléchissez actuellement au sein de Suez sont lesquels les axes fondamentaux, j'allais dire, par rapport à cette préoccupation sur l'eau et à sa gestion? Alors, les axes fondamentaux, c'est de continuer à aller plus loin avec ce qui existe et qui marche bien. C'est important. Les capteurs qui existent actuellement dans un certain nombre de métiers sont en train de se développer chez nous. On pourrait imaginer dans l'avenir des capteurs pour s'assurer du débit d'eau à un certain nombre d'endroits clés pour éviter qu'il y ait des fuites. Ah oui, on pourrait imaginer des capteurs qui nous renseigneraient sur un certain nombre de choses, sur la qualité de l'eau en temps réel. Enfin, il y a un certain nombre de réflexions qui existent, qui sont en train de se déployer. Un certain nombre d'axes sont en cours de recherche. Mais ça peut être par exemple pour protéger nos rivages des sondes qui avertissent s'il y a une pollution qui arrive. Ah oui, d'accord. Ce qui peut être des outils fait modernes et qui existent aussi. Et vous avez, oui, alors je crois que vous avez un laboratoire à l'université, c'est le laboratoire à dire qui fait de la recherche de la RD, ça. Tout à fait, nous avons à l'université de Bordeaux un laboratoire qui s'appelle le LIR, qui fait de la recherche pour le compte d'un certain nombre de collectivités, donc notamment pour Bordeaux Métropole, sur un certain nombre d'aspects sur l'eau, notamment sur des aspects de meilleure connaissance du milieu naturel et meilleure connaissance de l'évolution de l'eau quand elle est rejetée dans le milieu naturel. D'accord. Donc ça peut être par exemple des balises qui sont mises dans les réseaux d'eau lorsqu'il y a une pollution pour savoir jusqu'où la pollution s'étend. Ah oui, ça devient très impressionnant. Donc ça, c'est grâce à tous ces outils connectés qui arrivent, qu'on essaie d'utiliser de mieux en mieux pour en faire du smart. Très bien. Et pour aider à piloter les villes. Voilà. Super. Je vous remercie beaucoup, Grégoire Maez. On se reverra bientôt parce que Suez est incontournable à Bordeaux et ailleurs, évidemment. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.